Il y a des amis qui vont toujours vous convaincre de faire quelque chose. Certains amis sont toujours en train de vous convaincre. N'est-ce pas? Il y a deux choses que vous ne pouvez, personne ne peut me convaincre de faire. Deux choses. Numéro un, boire l'alcool. Tu peux me convaincre comment c'est bien, qu'est-ce que ça fait, quand tu bois, tu te sens fort. Tu es fort au lit, tu es fort aux fesses, tu es fort avec la femme, tu es fort dans la chambre, tu es fort au lit. Tu te réveilles le lendemain sans problème. Tu peux boire 15 bières, tu peux boire 18 bières. Je respecte tout ça. Tu peux me raconter tout ça. Mais tu ne peux pas me convaincre de boire la bière si je ne veux pas. Et je ne suis pas le genre de personne à faire des choses juste pour montrer que je suis en train de faire la même chose avec mon ami. Si je ne bois pas, on part quelque part. Il y a la boisson. Je ne veux pas boire. Je ne veux pas boire parce que je veux montrer que toi et moi, nous sommes amis. On ne boit pas par amitié. Voilà. On ne boit pas par amitié. Même manger. On ne mange pas par amitié. Quand tu manges parce que tu as faim. Ton organisme a besoin d'énergie. Tu manges pour survivre. Parce que si tu ne manges pas, tu ne peux pas survivre. Tu ne peux pas faire 25 jours sans manger. Tu ne peux pas faire 45 jours sans boire de l'eau. Moi, je ne sais pas si tu peux. Mais peut-être tu peux faire 45 jours sans boire de l'eau. Mais tu ne peux pas faire 23 jours sans manger. Donc, quand tu manges, tu ne manges pas par amitié. Tout de même que si tu bois, je ne veux pas boire par amitié parce que toi et moi, nous sommes amis. Il y a deux choses que tu ne peux pas me convaincre à faire par amitié. Un, boire de l'alcool. Deux, maintenant, fumer. Quelqu'un m'a dit comment est-ce que quand tu fumes, tu es concentré, tu travailles plus et ta productivité est immense, quoi. C'est la raison pour laquelle lui fume. Pour avoir une meilleure productivité de soi-même, il n'y a pas que la cigarette. Il n'y a pas que la cigarette. Tu peux me donner tous les bons côtés de la cigarette, mais tu ne peux pas me convaincre de fumer. Je sais ce que je peux faire ou je sais ce que je fais pour avoir une meilleure productivité de moi. Je sais. Et qui n'aime pas la cigarette? Si je n'aime pas fumer, je ne fume pas. Si je ne veux pas boire, je ne bois pas. On ne fume pas par amitié. On fume parce qu'on est fumeur, parce qu'on veut, parce qu'on fume, on fume. Mais on ne fume pas par amitié. Tout de même, comme on ne boit pas par amitié. Tu ne peux pas me convaincre de fumer par amitié. Tu ne peux pas me convaincre de boire par amitié. Ça, c'est ma décision personnelle. Chacun décide de ce qu'il fait.